Bonjour à toutes et à tous, c'est Gustoven 47 ans sur Retro aujourd'hui pour le premier épisode de notre Let's Play découverte même sur Alice Retour au pays de la folie. On va commencer je découvre le jeu en même temps que ma fille. Je suis là où vous avez la tête qui est là. Je déteste ce genre de touche là. J'ai vraiment apprécié. Ça peut paraître bizarre. Bah, moi j'ai toujours bien aimé. Ça a un effet, je pense. Plus agréable. Oui, c'est vraiment très spécial. C'est un jeu donc assez spécial de façon qu'on m'a dit, hein. Je découvre un peu de vie, je le découvrir, hein. Parce que j'ai à dire d'autres, hein, à part que je découvre le coup ce genre de ta charge. J'essaierai après de vous passer à chaque moment. Si j'ai rien à dire, je passerai les chargements, mais sinon, je vais les laisser. Si je voulais dire un mot, cinématique, parce que regardez. Alors, il y a aussi un autre Tout va bien, Alice. Rien de plus qu'un rêve. Ce n'est pas un cauchemar, mais un souvenir. Et il me rend malade. Oui, parfait. Détends-toi. Encore. Tu flottes. Tout s'efface. Tout part. Je suis en enfer. Oublie-les. Efface ce souvenir. Il est encombrant. Laisse-le. Va vers tes merveilles. Impossible. Prise au piège. Du passé. Sergent, cette fille est blessée. Appelez un docteur. Est-ce qu'elle va survivre? Oublie cette illusion. Oublie-la. Retourne aux merveilles. Je ne veux pas, docteur. Mes merveilles sont mortes. Éparpillé. Ce que tu veux n'a pas d'importance. Bien, Alice, où es-tu? Je navigue avec un ami. Je suis différente. J'ai changé. C'est très bien. Ton premier pas sur le chemin de l'oubli. Que se passe-t-il? Êtes-vous fou? Insolente. Lapin? C'est curieux. Que fait-il ici? Est-ce que vous m'entendez? Le voilà. Un poison. Il veut ma mort. Cette fille est horrible. Comme mon esprit.
bien, Alice. Tout va mieux, n'est-ce pas? J'ai un marteau pilon dans la tête et dans la poitrine. C'est normal, Alice. L'oubli n'est pas gratuit. Les souvenirs me rendent malade. Je voudrais... te rappeler autre chose. Je veux oublier. J'en ai assez d'être seule, prisonnière de mon maudit passé. Tu seras libre, Alice. Les souvenirs nous enchaînent plus qu'ils ne nous libèrent. Vous l'avez dit tant de fois et... Et je te le répète, il faut payer pour pouvoir oublier. Bien. Avant notre séance, va donc chercher ses cachets chez l'apothicaire. Très bien, docteur. À mon tour d'oublier, Alice. Bien, Charlie. Ton père a été pendu pour avoir tué ta pauvre mère qui te battait. Il faut oublier tout ça. Veux-tu? Plus de passé, Charlie. Oublie ce taudis infâme, oublie ta famille, elle n'a jamais existé. Tout va bien, Charlie. Vois-tu? Détends-toi. Écoute. C'est fini. Et ben dis donc, c'est... très... troublant, c'est vraiment spécial à la cinématique. Il en reste troublé, hein. Oh, lui m'a pincé. Ça réveille. C'est des personnages très... Ouah, les cabinets refoulent. Plus que ta chambre. L'ambiance, la musique là, est très... incroyable, la musique. On est plongé dans l'ambiance... Où est la porte? Une ambiance très... très bizarre, très glauque un peu, je sais pas, d'autres mots là, dans l'esprit, c'est très 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 troublant. Le docteur, il est bon, il t'a guéri, toi? Pas pour l'instant. En phase terminale. Il dirait un cancer. En phase terminale, comme un cancer. D'accord, le poisson, il est mort. Les vêtements, comme ça. Même le regard du clone, l'aspect d'Alice, du personnage, non. Oh non. On a coupé. La coupé, elle a une jambe en moins. Elle a une taille vraiment bizarre. Même Alice, regardez, Alice, quand même, quand vous vous souvenez de Alice, cette, on a tous connu quand elle était gamin. Donc on la voit maintenant, ça n'a rien à voir du tout. Donc parce que le lapin avec la tête qui explose, c'est très... Ah, vraiment très troublant, ça, c'est... C'est là qu'on se plaît, là, qu'on... Toujours à pleurnicher. Je ne pleure pas sans raison. Et toi? C'est vraiment... Si dans le jeu, plus tard, le scénario sont comme ça, ça va être vraiment très... C'est vraiment très troublant. On avait dit que c'était spécial. Comme ça, quand même, je ne me rendais pas. Sans mère, sans relation, une orpheline. Le numéro... On a le numéro 4 sur le truc d'Alice, un peu dégoût. Pas sûr... Monsieur Payne dit que l'on n'est jamais mieux que chez soi. Mais sans mes dessins et cette photographie, on se croirait dans ma chambre d'hôpital. Le rêve de ma famille a été envoyé par la poste, une adresse et signature. J'aimerais remercier l'expéditeur en personne. Donc, c'est sa famille, d'après ce qu'on a pu comprendre. Et la petite famille, dans un orphelinat. Misant avec cinglé, on aurait pas su pas par l'homme. Chouchou du docteur, elle est bonne pour l'asile. Je mange mon chapeau si elle est saine. Sa famille est morte. Qui en voudrait? Ah, ils arrivent quand on voit la tête des enfants. Très, très pauvre. Mais après, le plus étonnant, ce qu'elle disait, c'est que sa famille a été brûlée.
Ouais, mais maman. Un autre jour, un autre rêve, peut-être. Quel est le meilleur? Tu dois connaître. Mais comment? J'entends des compliments sur elle. Aucun n'est à la hauteur. Elle m'a épuisé. La meilleure chevaucheuse du pays. Donne-moi des détails. Quelle position? Tu aimes Boccherini, petite? Ou alors Paganini? Derrière. Sur... Ouais, non. Elle travaille et ses dents trop bonnes pour nous voir. Elle n'approche pas, déteste les gens. Mais qui aime ça, hein? Jamais fessé? Si, souvent. Le train du marchand de sable lève les voiles, ses sièges douillés et ses roues en étoiles. Vite, mes petits, ne craignez rien. L'homme dans la lune. Non, c'est une rêve, on va en train d'origine. Machin de sable, château de marque. Un marché. T'as vu le prix du fromage? Petit chat, minou minou, n'aie pas peur. Bon, où est passé ce chat? D'accord. Après, ça va bien les choses quand même. Le vieux est suivi comme ça. Tu veux du boulot? Marre de tes couches? Vaut mieux ça qu'être la souillon de l'orphelinat. Pour soulager les autres, il faut croire que j'aime suivre les boules de poils dans leur tanière. Ouais, c'est bien ça. T'as l'allusion là. On l'a plein là. Je me souviens plus son nom. Mais son axe, ça montre là, qu'il est toujours à tout ça. Jardière. Alice Liddell. Toujours dans la misère? Miss Witless. Bonjour. Les Allez, misérables go, voilà. Vous êtes toute seule? Vous semblez pâle, ma chère. Vous vous sentez bien? Pas vraiment. Venez chez moi, vous verrez mes oiseaux. Magnifiques, comme vous. Je ne crois pas. Notre dernière visite m'a coûté plusieurs livres. Je pourrais pourtant bien me rappeler de votre lapin. Toujours folle. C'est pas étonnant. Elle a vu les siens grillés vivants, comme des marrons. 10 ans à l'asile de Rutledge, c'est du temps perdu pour tout le monde. Le docteur Bumby ne fera guère mieux. Toujours les mêmes questions. L'incendie, ses souvenirs, oh, quel ennui. Je mérite bien sa gratitude, non? Qui donc l'a habillée? Qui donc l'a placée chez Bumby? Où serait-elle sans moi? Dans la rue, avant de ses fesses! Au moins, elle aime mes pigeons. Elle m'a déjà lâché une pièce ou deux. Mais ce que je sais vaut bien plus. C'est un secret, n'est-ce pas? Elle a dit, ils sont morts par ma faute. J'ai rien pu faire. Le silence est d'or, mais le mien vaut moins. Je sais me taire, vraiment. Pas comme sa nourrice, cette putain. Ou leur ami juriste Radcliffe, qui lui a pris son stupide lapin. Plus un sou. Je l'ai prévenue que je la dénoncerais à la police si elle ne se montrait pas plus généreuse avec moi. Elle ne cesse de gémir et se plaindre. Des jours qu'elle se souvient plus de son nom, d'après ce qu'on m'a dit. Ah, non, pas finalement, c'est vraiment une ambiance cinématique, vraiment. C'est troublant, ça nous met vraiment dans une ambiance très...
pas de mot bizarre. Si vous trouvez le mot, j'ai un mot pour qualifier ce genre d'ambiance. Pas de mal à commentaire, hein. Ça pourrait aider. Voilà. Donc la vieille là, ça sera occupé d'Alice. Et le lendemain, nous vieillons. Enfin, ses parents sont morts, d'accord. Donc, ses parents sont morts dans l'incendie qu'elle aurait causé, d'après ce qu'on vient d'apprendre dans la cinématique. Infirmière, voulez-vous me blesser eh ben en me renvoyant à l'hôpital? Ne me tentez pas. Je vous troquerai bien contre un verre, vous savez. J'ai si soif. Que je bois dans la tanière. Le pire en pire là, d'ici. Ah, soit pas d'âge. Vois-toi tes merveilles. Sa famille est morte. Rien plus qu'un verre. Pollution. Corruption. D'accord. Un peu de cet endroit, j'ai mon tunnel, un petit peu dans lequel elle tombe pour aller un peu m'énerver, c'est pas un peu mal. Mais à la maison, c'est pas joyeux, hein. Je vois ce qui se passe. C'est pas trop gentil de gérer à la fin. Bon, il y a des crânes, comme des petits ponts, enfin, je ne sais pas. Voilà. Et là, voilà, tu vois, le départ qu'on a vu au début. Après le départ qu'on a vu au début. Un petit peu mince. Bon, c'est bien. Bah, ce que je vais faire. C'est voilà, donc on arrive au pays, au pays des merveilles, hein. Au pays de la folie, comme on le dit. Et puis, je vous propose de... Quel épuisant voyage! J'ai pu semer Pris, ou ce qu'elle est devenue. Schématique, quoi. Au moins, cet endroit me rappelle quelque chose. Il était grand temps, Lidl. Maudit chat. Ne me cherche pas trop. Je suis un peu à bout. Parfait. Quand tu n'es pas au bout, tu prends beaucoup trop de place. Ça ne m'aide pas. Mais tu sais que je peux. Je sais me faire peur. Toute seule, ne t'en fais pas. J'espérais échapper à tout cela. N'espère pas trop. Cet endroit a quelque peu changé, Alice. Raide comme sa justice. Très dangereux. Reste bien sur tes gardes. Voilà. Donc, ça, c'est le chat, comme ça. C'est Shakespeare, son nom. Voilà. Donc, je vous propose, mais ce qu'on va faire, c'est ça. C'est... On va s'arrêter là. Voilà. Pour découvrir... cet endroit que le pays des merveilles qui a bien changé comme je me dis. Eh bien, faudra voir le prochain épisode. Voilà. Donc je vous dis au prochain épisode et surtout abonnez-vous, aimez, partagez, hein, voilà, faites connaître la chaîne. Et si vous avez d'autres commandes, des petits commentaires à faire par exemple, sur le micro, sur la qualité, ou quoi que ce soit, vous voulez que je change quelque chose, dites-le. J'essaierai, je verrai ce que je peux faire. Voilà. À plus.